c'est la partie 1. L'autre côté, comme je te dis, c'est de l'autre bord de la rivière. La dernière vidéo était sur l'Agora à Hull, ici au plateau. Là, je vais aller vous montrer un autre secteur, ici encore à Hull. Vous allez voir, exceptionnel. L'Agora, c'est un secteur comme ça, puis il n'y en a pas d'autre à Outaouais. Puis celle-là, je vais aller vous montrer, là, c'est la même chose. C'est le seul qu'il y a à Outaouais. Oui. Le quartier que je vais aller vous montrer, c'est le quartier le plus proche d'Ottawa. Il n'y a aucun autre quartier, secteur, qui est aussi proche d'Ottawa que celle-là que je vais aller vous montrer. Ça a été quand même un exploit de construire ce secteur-là. Pensez-y. Comment est-ce que tu pourrais construire un projet résidentiel, un secteur, comme c'est quand même assez gros, là, c'est pas juste 2, 3, 4, 5 maisons, là, vous allez voir, c'est énorme. Comment est-ce que tu peux construire ça sur des terres qui appartiennent aux Autochtones? En plus, le territoire-là, il est patrimonial. En plus, tu vas aller construire les bâtiments à ça, du bord de l'eau. Ça n'existe plus au Québec, ça. Tu peux bâtir quelque chose à ça, du bord de l'eau. Mais là, ils l'ont fait. Ça, c'est un exploit, là. En plus, un autre exploit, c'est que il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit de négatif. La population est à pour. C'est comme, wow! La population qui est pour un projet résidentiel. Wow! On n'a eu aucune manifestation. Même les gens qui protègent l'environnement, tout semble correct parce qu'on n'a pas entendu parler d'eux. Donc, wow. Vous allez voir, c'est vraiment nice. On se croirait vraiment comme un samedi ou un dimanche, regarde. C'est un rédempteur à l'humatière. Il n'y a personne dans la rue. La raison pourquoi il n'y a personne, c'est parce que c'est les vacances, la construction. On est le premier lundi du 2 semaines. Regardez ici, maison neuve. C'est jamais comme ça, à part les samedis après-midi et les dimanches. Ici, il y a du monde d'habitude. On commence ça. Je vais vous situer un peu où ce que je suis là. Place du partage. Bureau des fonctionnaires. Il est d'être là. OK? Ottawa. On voit le Parlement là-bas. Ça, c'est les condos. Et voilà. Bon. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a de l'air, point de vue stationnement. Parce qu'ici, il y en a un. Il est quand même assez grand, là. Une voie ici. Il y a une autre voie de l'autre côté. Par contre, c'est pas comme Zibi. Zibi, c'était gratuit. Mais ici, on est dans un secteur payant. Alors, regarde bien ça. OK? C'est comme ça que ça marche. À 5 $ chaque 30 minutes. Fait que c'était gratuit là-bas pendant 3 heures où ce qu'on était à Hull, au plateau. OK? Fait que j'ai aucune idée comment ça marche cette affaire-là. On voit rien en plus. Y a-t-il quelque chose? Allô? Ah, there you are. Entrez votre numéro de plaque. Bien. Numéro de plaque.
W37 ZBZ. Continuez. 5$. C'est pas qu'ils prennent des scènes. Et voilà, confirmé. Impression du billet. There we go. Je viens de donner 5$ à Dubé Stationnement. Merci, monsieur Dubé. Non, mais c'est de même aujourd'hui, hein. Tu te déplaces, tu dois payer. Tu respires, tu dois payer. N'importe quoi que tu fais, tu dois payer. Bienvenue dans le monde moderne. Nice, hein? Bon, on va regarder l'heure. À peu près cette heure-là. Là, comme tu as pu voir, j'ai juste une demi-heure. Fait que je peux pas te montrer au complet c'est quoi ce projet-là. Allez voir ça aussi sur Google. C'est Zibi, ça s'appelle. Le projet Zibi. Je sais pas si tu as entendu parler d'un zipline. Tu montes à quelque part, puis une ligne, genre un câble. Tu t'accroches dessus, puis pfff, t'en vas jusqu'à l'autre bord. Regarde. C'est le zipline, il est là. Sauf que je ne sais pas où ce qui est exactement. On va aller voir que ça va. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire tantôt? Je pourrais pas aller vous montrer au complet c'est quoi. Parce qu'il y a deux secteurs. Il y en a juste une demi-heure. Puis l'autre secteur, il est sur l'autre côté de la rive. Bizarre, hein? Côté Ontario. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je peux pas y aller. Parce que j'ai juste une demi-heure, puis je cours pas assez vite. Regarde, c'est nice, les magasins en bas. Les condos en haut. Hey, c'est-tu vraiment cool, hein? OK, là, c'est laid, là. C'est encore en train de se faire. J'ai bien confiance que ça va être beau. Cool, pareil. Wow. T'es ta bête ici, là. Puis l'affaire qui est vraiment exceptionnelle de ce quartier-là, c'est que t'as du commercial, des magasins pour monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais. Puis t'as du résidentiel, que tu peux habiter là. Mais en plus, tu peux travailler, t'as des bureaux. Fait que c'est des mix de bureaux, commerce et résidentiel. Hey, ça, c'est-tu patrimonial à ton goût, ça? Wow! Hey, j'ai jamais pu le voir de si proche que ça. La caméra, ça fait pas beau, peut-être, là, mais moi, j'aime bien ça. C'est vraiment, vraiment bien. Incroyable. Hey, check toute la roche qu'on fait. C'est assez nice, ça. Ça va être vraiment beau, là, pareil. Des lumières, pis tout. Des petits bains. Ah, OK. Ben, voyons donc. Je pensais que c'était juste des roches. Nice. C'est vraiment, vraiment bien fait. OK, je montrais pas toutes, là. Il y en a un paquet. Wow! Il garde ça direct proche comme ça, proche des gens. C'est bien ça, c'est correct. C'est le fun à voir. Ouais, je suis tout curieux. On va aller voir si c'est bien creux. Je pense pas que tu peux aller jusqu'à là, hein? Ça serait drôle. Je pense que ça serait pas. Oh wow! Cool. Oh, c'est bien bon.
Incroyable, incroyable. Imagine-toi, tu restes là. C'est le fun. Mais il faut que tu aimes le centre-ville. C'est sûr que tu montrais ça aux trois quarts de mes clients. Ils me diraient, ben non, Claudio, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas pour moi, ça. Moi, je veux une maison avec une cour. Mes enfants vont à l'école. Je veux pas qu'ils se promènent des places comme ça. Tu te vois-tu avec des enfants? 5, 6, 7, 8 ans, 7. Et regarde. Capote un peu, hein? Mais non, c'est pas cette clientèle-là, là, c'est certain. C'est vraiment bien. Mais tu vis sur Ottawa, droite là. Ah, il est là, le zipline. OK? Ah, il y a quelqu'un dans le bateau. OK, du monde qui travaille. Cool. Ouais, c'est rare, tu vois ça de même. D'habitude, t'es caché. Ça te l'air à quelqu'un qui a une caméra. On doit être quelque chose pareil à travailler là. Wow. Ah, oh, il y a monsieur là. On va bien aider d'ici. Et tu vas pas être plus patrimonial que ça. C'est vraiment le début de hall. Là. Vraiment bien fait. Commerce partout. Caméra là, tu peux le voir. Fait que l'autre côté, ça c'est la partie 1. L'autre côté, comme je te dis, c'est de l'autre bord de la rivière. On va aller le faire une autre fois. Ils vont me stationner proche du musée. On le voit un peu, là, parce qu'il y a le pont, là, là-bas. Beau pareil, hein? C'est cool, ça. Ça, ça c'est quoi? Trop cool. Wow, nice, huh? Regardez le vieux mur. Ça, c'est nice. Petit espace de travail, je sais pas trop quoi. Co-working, I don't know. Bienvenue à la maison. Oups, nous voulions dire bienvenue au travail. Nice. OK. Ah, je vais peut-être venir travailler ici. On va regarder ça. Et voilà. Restaurant, d'être là-bas. Place du partage est là. La rue du partage est là. Et tu peux pas être plus centre-ville que ça. Là, c'est sûr, regarde, c'est pas beau, là. Mais ça va venir beau, ça va venir beau. Je suis certain. Ceux qui veulent louer, et voilà. J'espère que je peux sortir, moi, ici, là. Hey, on a fait ça 5-10 minutes, 10 minutes, même pas. Pas mal vite, hein? Pas mal bon. T'es en shape. Ah ben man, t'as chaud pareil ça. Ça c'est le début. On revient là-dedans. Oh my God, il fait chaud! Il fait chaud! C'est incroyable, pareil. Dernière petite photo, je pensais à ça, qu'on a vu, là. Madame Allumetière.
dire que Hall, ben pas juste à cause de ça, mais je veux dire, Hall a été vraiment très, très bien développé à cause d'une seule compagnie, les BAD. Quand même, c'est fou, là. Une compagnie qui a développé vraiment le centre-ville de Hall. Oui, je sais qu'il y a les fourrures, pis tout, le bois, pis tout, je comprends, mais ça, là, c'était quelque chose de malade, là. Ça a l'air que le salaire d'un employé, parce que c'était pas mal à l'année, tous les jobs dans ce temps-là, c'était pas des jobs annuels. Fait que les gens, il y en a bien qui travaillaient un peu, travaillaient pas, travaillaient pas, ça. Fait que l'argent, c'était pas tout le temps continu. Mais si quelqu'un de ta famille travaillait là, c'était une femme qui travaillait là, elle faisait de l'argent à l'année. Fait que c'était très en recherche. C'était bien en demande, ces jobs-là. C'était incroyable. Incroyable pareil. C'est pour ça que j'aime bien Hall. C'est tellement historique. Il y a tellement d'affaires. Tu commences à aller à la gauche puis à droite, puis tu vas trouver plein d'affaires vraiment nice à lire. Puis pour ceux que l'histoire, ils aiment ça, puis ces choses-là, ben regarde, va juste sur Google, bibliothèque préférablement, chercher n'importe quel livre de Roger Blanchette. Roger Blanchette, historien. Allez voir ça. Incroyable. Il y en a fait un sur l'île de Hall. Je vais vous le montrer si je le trouve. Je vais le mettre ici en vidéo. Exceptionnel, ce livre-là. Tu lis ça et tu comprends tout ce qui se passe à Hall, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps et pourquoi on est là aujourd'hui. C'est vraiment nice. Ah ben, j'espère que ça t'a donné une petite idée de ce que ça a de l'air. Là, je vais aller faire une coupe de whatever can. On va aller faire la deuxième partie qui est de l'autre côté, comme je te disais tantôt, en Ontario. C'est plus résidentiel. Ah, il y a bien des commerces aussi, mais je veux dire, on les voit pas, ils sont en dedans, tu sais. La meilleure affaire pour voir qu'est-ce qui se passe là, il faudra aller voir sur Google. Je vais essayer de le mettre ici aussi, le lien. Il est très bien fait. Tu peux aller voir sur le site de Zibi, puis tu regardes, puis c'est comme une map interactive qu'on appelle. Tu peux peser sur un bouton, puis là, tu vas voir juste les coins résidentiels. Là, tu pèses un autre bouton, puis là, c'est marqué commercial, puis un autre bouton, etc., etc. Fait que tu peux tout voir qu'est-ce que ça a de l'air, résidentiel, commercial, tout ça. Regarde, c'est nice. Ça, c'est l'été, on ferme la rue ici. La rue Laval. C'est cool. Bon, c'est pas mal terminé pour aujourd'hui. Pour ceux qui veulent déménager, vendre, acheter, ou juste avoir une évaluation de votre propriété, investir en immobilier, vous pouvez m'appeler en tout temps. Je travaille 7 jours par semaine. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo, dans une couple de jours. All right, merci. Bonnes vacances aux gens de la construction. Bye bye.